Ici Rocket, mais oui, non, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête d'une meuf, mais c'est trop génial, c'est trop génial. J'adore les PNG tubeurs. Je suis en train de faire des PNG tubeurs de n'importe quelle ta race, n'importe quelle façon. Je fais des filles, je fais des garçons, je fais tout. Là, faudrait juste une émoticône. Je bois du Monster. Bref, c'est du full body aussi, hein. J'ai pas montré le corps, tout le corps en entier, mais vous verrez dans le dessin en entier. Encore un speed art. Parce qu'en ce moment, je peux que faire du speed art parce qu'il y a un cyclone en fait. Et comme il y a un cyclone, ben, je peux pas streamer. Enfin, si je peux streamer, mais il y aura du bruit en fait. Je peux pas faire de vidéo, par contre. Parce qu'il y aura trop de bruit en fait, il y aura trop de bruit dans la vidéo, ça va m'énerver, ça va m'énerver, ça va m'énerver, je te dis. Ouais, bref, que dire? Bah en fait, bah, elle sera stylée parce que en fait, c'est un personnage que j'ai sorti de mon imagination. Je suis parti sur Pinterest pour chercher des vêtements, mais je suis tombé sur des vêtements de gothique. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être le stylé. Mais en fait, j'ai l'impression que mon personnage, vous allez voir dans le dessin, j'ai l'impression que par rapport au personnage d'anime, la meuf elle est carcasse, frère. Wow. Elle fait de la lutte, elle fait de la boxe, elle fait du MMA, frère. C'est Ronda Rousey, Rousey. Genre, c'est un truc de fou. Juste pour dire, c'est juste comme ça, je sais pas, j'ai abusé sur les proportions de la taille. Elle est pas fine, elle est pas fine. Mais c'est juste la première version de toute façon. Il y aura une version améliorée prochainement, je sais pas quand, mais je le ferai, vous en faites pas. C'était juste pour dire ça, et puis voilà. Je vais vous laisser apprécier le speed art. Et puis le speed art, de toute façon, il sera. Les mecs, c'est simple, hein. D'abord, il y a le croquis, magnifique croquis, incroyable. Et après, le croquis, je l'ai fait en rouge. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de le faire en rouge pour le début. Puis après, ben, je me suis dit, ben, je vais commencer à tracer les traits avec. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le stylet comme un ajustement pour que la ligne elle soit bien droite et tout, et c'est ce qui s'est passé. Et j'utilise aussi la symétrie, c'est super important la symétrie, parce que sinon elle aurait pas des yeux normaux, pas les yeux bizarres, elle aurait des yeux bizarres. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Profitez bien de ce speed art. Merci d'avoir regardé le premier speed art, c'est trop génial, merci. Et on va dire que c'est moi en fille, voilà. Alors que c'est pas vrai, c'est juste un personnage que j'ai créé, c'est un aussi. Voilà, c'est un peu original caractère de mon histoire que j'ai créé. Mais je l'ai fait un peu trop grosse, voilà. Je trouve que je l'ai fait un peu trop grosse comparé à ce que je pensais, voilà. C'est tout. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à plus!